Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu le nom aligné sur la feuille de match, on va se régaler. L'équipe du Brésil peut être fière de voir le Maracana complètement rempli et débordant d'enthousiasme juste avant le coup d'envoi. Ça, c'est un duel qui ne manquera pas d'intérêt vu la qualité des deux équipes. Mais vu que c'est un match amical, on peut espérer voir les joueurs tenter des gestes un peu improbables ou les managers essayer des nouvelles choses, pourquoi pas. Ça devrait être un match ouvert et à l'air. Et le coup d'envoi a donc été donné. À votre avis, Darren, qui fera la différence dans cette rencontre? Je pense que je ne prends pas trop de... Griezmann! La puissance, toujours la puissance, mais la finesse, ça marche aussi. Il est passé. Rabiot. Griezmann! C'est bien fait. Bonne occasion du contre. Vous avez remarqué comme les latéraux montent? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pas possible. Il n'a pas pu retenir son geste. Penalty. Et je crois que l'arbitre a pris la bonne décision. Et ça démarre fort. C'est le premier joueur de son équipe averti. Il marque et ça fait 1-0. Et à aucun moment il ne donne l'impression d'avoir douté. Ah, le gardien n'a pas eu la moindre chance sur ce penalty. C'est parfaitement tiré. Cette affiche tient déjà toutes ses promesses. Pavard. Va-t-il en profiter? Grosse occasion, bien servi. Attention. Rabiot. Allez, ça doit. Griezmann. Ce sera le premier corner du match. Quelle détente! La parade! Magnifique! Oui, il était bien concentré. Bravo! Faut que ça va partir vite. Dembélé! Il allonge. La passe dans la profondeur. Allez, ça peut faire mal. Il y a danger. Fabinho qui écarte le jeu. S'il le trouve. Oh, Benzema. Il cherche la profondeur. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est joué long. C'est bien fait, ça. Il décide d'allonger le jeu. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Ça passe. Le bon dribble. Oh, la frappe. Il paraissait bien seul aussi. Gabriel Jesus. Mbappé. Griezmann. Oh, le duel. Griezmann qui cherche une solution. Oh, l'intervention de Varane.
Fabinho. Danilo. Fabinho. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Bon, je vais faire un peu mon captain obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Griezmann ! Oh, le but ! Tout en puissance ! Quelle frappe sensationnelle ! Yes, 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 yes ! Égalisation pour la France. Une frappe aussi lourde, c'est tout simplement imparable. Quelle puissance ! C'est merveilleux ! Allez l'arrêter celle-là, tiens. Le jeu reprend sur un score de parité. Eh bien, on savait que ce match serait serré et ça se confirme. Thiago Silva. Casemiro. Neymar. Il y a peut-être un coup à jouer. Et ça peut être Gabriel Jesus. Benzema. Benzema. Il y a un peu d'espace. Ballon intéressant. Bien, un peu de répit. Chouamini. Il la remet. Ils obtiennent un coup franc. Tenter une frappe directe. Un peu loin peut-être pour la tenter directement. Griezmann ! Extraordinaire ! Quel but ! Oh, un but vraiment incroyable ! C'est tout simplement incroyable ! Magic ! Quel comeback ! Et cette trajectoire qu'il a trouvée, la classe ! Waouh, c'est une frappe fantastique ! Qu'est-ce que c'est fabuleux de marquer de cette distance ! Tête. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts et je dois dire, c'est mérité. Un long ballon vers l'avant. Danilo, il renverse, c'est bien fait. Ça n'a pas pu aller plus loin. C'est joué long, attention. Griezmann, ça peut rentrer cette fois. Oh, il bute, le but. Il compte maintenant deux buts d'avance. Le gardien était bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. Mais quelle faute de main du gardien! Face à ce genre d'attaquant, ça ne pardonne pas. Deux buts d'avance, ça fait du bien, oui, on les imagine un peu plus sereins. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Allez, il faut mettre le pied sur le ballon. Oh, quel geste! Vinicius Junior. La qualité du marquage est à souligner quand même. C'est pas étonnant tout ce qu'il a déjà fait. Oui, il y avait bien faute. C'était une bonne intervention. C'est joué long. Allez, jusqu'au bout. Et voilà, but. Yes, go.
3 buts d'avance, l'affaire semble être pliée maintenant. Timing, exécution, précision, tout était parfait dans cette reprise de volée. C'est sans doute l'un des gestes les plus compliqués à réaliser, mais il a parfaitement dominé son ballon. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. 3 buts d'avance au tableau d'affichage, c'est reparti. Oui, il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Il passe en retrait au gardien. Le gardien loin devant. Bonne interception, il y avait danger. On le contre, l'arme fatale. La longue passe. Dans la profondeur. Quel jaillissement. Casemiro. Vinicius Junior. Casemiro. Alexandro. Il reste 10 minutes dans cette rencontre. Long ballon dans le sens du jeu. Ça joue long vers l'avant. Vinicius Junior. Il ne résiste pas au contact. Rabiot. Il est dans le dos de la défense. Ça peut partir en contre. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Il prend sa chance. Superbe arrêt effectué par Ederson. Hernandez en retrait. Griezmann. Un peu d'oxygène pour sa défense. Rabiot. Mbappé, Thiago Silva qui récupère ce ballon. C'est reparti, ils peuvent contrer. Ça joue long. Pavard. Tchouaméni. Le bon ballon. Oh, Benzema. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est une occasion, ça. Il était tout seul. L'arbitre siffle, le match est terminé. C'est vraiment une victoire tactique magnifique de leur part. Ils étaient menés dans cette rencontre et ils ont réussi à totalement revenir au score. Bravo à eux. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. C'est une équipe qui...